Salam alaikum, as-tu liké, partagé, abonné? On est bien d'accord, donc on peut commencer. Des roses pour des roses. Donc, des rosiers pour des rosiers. Là, je voulais juste vous donner des nouvelles de la Shiba. Donc, vous voyez, elle est beaucoup dans. Elle a beaucoup grandi, donc. Et elle a pris beaucoup de hauteur et beaucoup de largeur aussi. Donc, vous voyez un petit peu les bâtons, ils ont grossi et franchement, je sais pas pourquoi elle aime bien cet endroit-là, donc je sais pas. Et vous voyez, elle fait des graines là, les petites graines. Donc, dès qu'elle aura fini, je les cueillerai et puis je les donnerai à ceux qui sont intéressés pour les replanter, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, là, de toute façon, on est au printemps, il n'y a plus de Shiba dans les marchés, donc il faudra attendre l'année prochaine pour de nouveau aller en acheter et puis mettre les bâtons dans le sol, et puis ça vous donnera un résultat comme ça. Donc, voilà. Et puis, on fait un petit tour de jardin vite fait. Donc, ça, c'est mon bambou qui est en train de prendre de la hauteur, le rosier qui est en fleur, donc j'espère juste qu'il aura le temps de finir, hein. Enfin, je veux dire le rosier parce que le bambou, quand il prend de la hauteur, il prend de la hauteur. Donc, il faut pas le prendre de haut. Voilà, donc on fait un petit tour vite fait rapide dans le jardin. Donc, voilà, les petites moulins à vent qui tournent. Et la petite fontaine joyeuse. Donc, voilà, donc on a fait le tour. Donc, voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Donc.